Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre mardi en direct. Ça me fait plaisir de vous accueillir comme ça à tous les mardis soirs, 20h heure du Québec. Et ce soir, encore une fois, on a un sujet hyper intéressant. Je vais vous partager cette façon d'utiliser la fleur de vie. Mais encore là, qu'est-ce que c'est la fleur de vie? C'est ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Où est-ce qu'on la trouve? Comment on peut l'utiliser? Tout ça, c'est ce que je partage avec vous ce soir. Mais tout d'abord, je vais saluer les gens qui se joignent à nous. Puis je vous invite à laisser un commentaire, bien entendu. Et tout d'abord, bonsoir à toi, mon cher Daniel. Daniel qui est le modérateur sur mes réseaux sociaux. Alors bonsoir, Roselyne Forcier. J'ai Lise des bonsoir. Ginette Tassé, Esther Lalancette, Luce Bergeron, j'ai aussi Chantal Paquet, Liette Bouchard, bonsoir. Guylaine Perriard, bonsoir à toi, Sonia Toulouse, Denis Villemur, Ghislaine Kahn, Carmen Gagnon. J'ai Cathy, Pierre, Cloutier, bonsoir, Josette Gagnon, Carole Leclerc, Micheline Sabourin, Carmel qui est là, Daniel Desjardins, Gérard Rousseau, bonsoir à toi Gérard, Sylvie Desjardins, Cathy, Céline Fortin, Sylvie, vous aussi, Sylvie, Pierrette Michaud, qui Martel, Lorraine Boisvert, Edna Couture, Louise Barbeau, Eve Lévesque, Marilyn côté. Bonsoir à toi, Micheline Bérubé, Kate Élément, euh, Gabrielle Trudeau, Mélanie Francard, Linda Turgeon, -ge Georgette Francard, bien sûr, Colette Poulain, Nathalie Jutra. Bonsoir à toi, Marie Levasseur, Julie Lévesque, Gisèle Guay. J'ai des Facebook que je ne vois pas les prénoms parce que vous êtes sur le groupe des Intuitifs Inspirés pour suivre le live de ce soir. Malheureusement, je ne vois pas vos, le nom des personnes, mais vos commentaires sont les bienvenus. Carmen Batani. Donc, je fais une petite aparté. Ceux qui sont sur le groupe des Intuitifs Inspirés, quand vous écrivez un commentaire, écrivez votre nom avec. Okay? Comme ça, je vais pouvoir vous nommer. Diane Nicolas, Suzanne Gagnon, Cathy Bouliane, José, Chantal, euh, j'ai Chantal Lagacé, Jacinthe Loyer, José Peck, euh, qui est là, Janique Martel, euh, Angèle Bolduc. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai aussi André Pratt Louise Panton, Georgette Landry. Bonsoir vraiment à tout le monde. Lynne Johnson, merci Lynn. Euh, donc, Lynn qui est sur le groupe des intuitifs inspirés. Bonsoir à toi. Je me présente dans un premier temps, Marilyn Coulombe, Je suis médium, je suis aussi coach d'éveil psychique. Ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à développer leur intuition leur petite voix intérieure, mais aussi, surtout, développer votre médiumnité, développer vos facultés psychiques. Et oui, tout le monde, on a ces capacités-là, mais on les développe à des degrés plus ou moins différents. Alors, c'est ça ma mission dans la vie. Et c'est ce que je fais un peu avec vous les mardis soirs. Merci pour tous les gens qui ont été présents au webinaire samedi dernier. Un super de beau webinaire où j'ai euh, partagé avec vous les quatre piliers pour euh, enfin devenir, devenir plus heureux, heureuse, épanoui, tout en comprenant que souvent, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, eh bien, ça commence par des deuils. Des deuils qu'on n'a pas bien vécu, des deuils qu'on n'a pas fini, qu'on n'a pas terminé, qu'on n'a pas réglé. Et les deuils, ce n'est pas juste lié aux personnes décédées, c'est lié à toutes sortes de choses qui surviennent dans notre vie et auxquelles on doit. Euh, justement tourner le dos, euh, dire au revoir, dire adieu, faire des deuils. Alors samedi, j'ai fait un beau webinaire et je remercie aussi en passant tous les gens qui se sont inscrits à mes ateliers pendant euh, la période du vendredi fou. Alors j'ai bien hâte de commencer ces premiers ateliers-là avec vous. Si vous êtes présents sur Facebook, je sais qu'il y a des gens qui me suivent actuellement sur TikTok, actuellement sur YouTube, mais sur Facebook. À partir du 1er décembre, je vais faire quelque chose de vraiment particulier sur ma page Marilyn Coulomb Medium. Donc, juste venir me suivre sur cette page-là. Donc, à partir du 1er décembre et pour tous les jours jusqu'au 25 décembre, il y aura quelque chose de particulier, de, de, de bien spécial. Et j'ai encore des surprises et plein de choses pour vous aider à développer votre médiumnité. Je suis en train de travailler sur des trucs vraiment hyper intéressants. Et ça va être comme ça. Tout le long du mois de décembre. Et non, on ne chôme pas parce qu'on arrive au mois de décembre. On termine bien l'année 2022 pour être certain, certaines d'en commencer une en 2023 qui va être extraordinaire. Donc, je vous invite à suivre mes réseaux sociaux et bien entendu à surveiller vos courriels. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent revoir les vidéos, ceux et celles qui veulent voir les mardis en direct, vous êtes les bienvenus. Allez sur ma page Marilyn Coulomb Medium dans la section des vidéos, sur ma page YouTube dans la section des Mendiants Directs. Mettez-moi un beau like, un beau j'aime, un petit cœur, un bonhomme sourire. Moi, c'est ce qui me fait mon bonheur quand je vois ça grimper en flèche. Partagez les vidéos et abonnez-vous surtout à mes pages. Abonnez-vous à, à ma page Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir répondu à la question du lundi. Question du lundi qui était, connaissez-vous ça, vous, la fleur de vie? Et si oui, comment vous l'utilisez? Alors, j'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui ont répondu encore une fois. Fait que merci beaucoup. J'ai entre autres Lucie Aubé qui a répondu, je ne connais pas du tout, j'ai hâte de savoir. Alors, ça va être ce soir, ma chère Lucie, qu'on va en apprendre plus sur la fleur de vie. J'ai Claudine. Claudine qui a répondu, la fleur de vie, c'est un symbole de géométrie sacrée. C'est ce qu'on va aller voir tantôt. Carole Bouchard qui a répondu, c'est tout ce qui vit sur la Terre selon moi. Et j'ai Jean-Guy qui a répondu, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, hyper intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont répondu, non, 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 je ne connais pas ça, non, je ne sais pas. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont répondu ça. Et j'ai beaucoup de gens qui ont répondu, oui, je connais ça, je m'en sers pour charger mes cristaux. Alors, la, la réponse la plus, euh, celle qu'on a vue le plus euh, dans les euh, réponses du question à la question du lundi, c'est je m'en sers pour charger mes cristaux. Mais ce soir, on va voir sept façons d'utiliser la fleur de vie. On va voir aussi dans un premier temps. C'est quoi ça, la fleur de vie? Parce qu'il n'y a pas juste Jean-Guy, puis il n'y a pas juste. Euh, euh, Lucie, entre autres, qui ne savait pas qu'est-ce que c'était la fleur de vie, et moi-même, sachez que j'ai appris des choses en faisant mes recherches aujourd'hui pour préparer notre mandat en direct. J'étais les yeux parce que moi, des fleurs de vie, j'en ai chez moi. J'en ai euh, pour plusieurs euh, choses, mais c'était hyper intéressant d'aller lire un peu plus. Puis le temps, euh, j'aimerais souvent avoir plus de temps dans la vie. Hein. Si jamais vous connaissez une place qui en vende, bien, dites-moi-le, je suis preneur. Euh, alors, j'ai lu des choses hyper intéressantes et là, il fallait que je me ramène. marie lène allez, là, tu as des trucs à écrire. Euh, tu peux pas lire et, lire et lire et lire et lire et lire sur le sujet, mais c'était vraiment hyper passionnant. Et je souhaite. Après le mardi en direct de ce soir, que vous puissiez aller faire vos propres recherches, vous autres aussi, pour en apprendre un peu plus. J'espère vous intéresser, je souhaite vous intéresser assez pour ça. Alors, qu'est-ce que la fleur de vie? La fleur de vie, bien justement, euh, Claudine, elle l'avait, c'est une figure géométrique composée d'une juxtaposition de plusieurs cercles égaux. Relier les uns aux autres à partir du centre. Euh, c'est euh, une la fleur de vie. Hein? Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Je vais vous en partager un exemple tout de suite ici. La fleur de vie, c'est ça une fleur de vie. Ceux qui se demandent vraiment, qu'est-ce que c'est? Donc elle est parfaite et souvent considérée comme sacrée. Là où j'avais commencé à faire mes recherches, c'est que on parle de la fleur sacrée, de la fleur de vie depuis des millénaires. Hein? Il y a des gens qui demandaient dans les commentaires à la question du lundi "Est-ce que ça fait longtemps que ça existe c'est ce quelque chose de nouveau ça que tu vas nous parler, Marilyn En enfin, fait, non, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 très, très longtemps. Euh, elle, est, elle peut être reproduite à l'infini parce que c'est des cercles qu'on va juste s'apposer les uns sur les autres de, de sorte que ça va faire comme des fleurs quand on va les faire. Donc, on peut faire ça là, à l'infini. D'ailleurs, il euh, y a des, euh, des ruines qui existent où est-ce qu'on voit le, le motif de la fleur de vie sur des murs entiers? Okay? Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas d'aujourd'hui que la fleur de vie existe. Son, mo ce mo son motif se veut le symbole de l'unicité du monde et l'appartenance à un tout harmonisé du fait des cercles qui s'emboîtent les uns sur les autres, qui se juxtaposent et qui fait, encore une fois, une forme euh, parfaite, une forme parfaite. La signification la plus évidente de la fleur de vie euh, la relie au cycle de la création, de la régénération et de la métamorphose. Donc, la signification la plus évidente qu'on fait avec la fleur de vie, c'est qu'elle régénère, elle dynamise, okay? elle harmonise, elle métamorphose euh, tout, tout, parce qu'on va retrouver la fleur de vie dans tout. Euh, le dessin le plus courant, celui que vous voyez à l'écran présentement, comporte sept cercles principaux, dont un au centre et six autour. Donc ici, ils sont en couleur. Celui du centre, vous allez le voir plus rouge, plus rose. Et euh, les principaux, donc les six qu'on a fait tout autour ici, sont bleus. Alors, tous ces cercles-là, avec euh, les cercles qu'on a rajoutés, bien, forment ce qu'on appelle la fleur de vie. La fleur de vie symbolise aussi la connexion de toutes les choses vivantes et sa contemplation permettrait de, de saisir l'unicité du monde. C'est-à-dire que c'est comme si tous ces cercles-là emboîtés les uns à travers les autres, plus on met ce grand, plus on voit qu'il y en a partout autour de nous on va le voir on va le voir dans les dans le règne végétal on va le voir dans les minéraux etc euh, ben plus on a comme l'impression de faire un quand on parle de faire l'unicité faire un avec le tout c'est le sentiment que ça donne on est tous vous savez quand on dit l'expression on est tous interreliés inter les uns aux autres ben c'est un peu ça l'unicité la fleur de vie euh, pour beaucoup, elle serait une des clés qui explique le fonctionnement secret de l'univers. Donc, comment euh, est venu au monde l'univers J'ai vu des, euh, des images sur Internet en faisant mes recherches de des embryons. Hein? Quand une ovule est fécondée, qu'est-ce que ça a l'air au microscope Mais croyez-le ou non, ça ressemble à une fleur de vie. C'est comme plein de petits cercles reliés les uns autour des autres qui vont euh, former justement encore une fois. La fleur de vie. Alors pour beaucoup, bien, ça serait la clé qui a servi à créer l'univers. Et là, quand on parle de l'univers, c'est on parle quand la terre elle a commencé. Elle a été étudiée en long et en large par Léonard de Vinci. Et oui, Léonard de Vinci a étudié la fleur de vie. A fait beaucoup de de recherche par rapport à l'arbre séphirotique, euh, parce que on, à partir de la fleur de vie, il y a d'autres choses qu'on peut créer, il y a d'autres symboles euh, qu'on peut créer à partir de la fleur de vie. et c'est ce que léonard de vinci a étudié tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. on retrouve la structure lorsqu'on parle de structure, on parle vraiment justement des cercles qui sont les uns euh, juxtaposés aux autres. on retrouve sa structure partout, par exemple, dans les végétaux, on va les retrouver dans les minéraux. On va les retrouver dans les formules mathématiques. Pour ceux et celles qui connaissent la suite Fibonacci, qu'est-ce que c'est, ça, la suite Fibonacci? Si je vous donne le nombre 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, est-ce que vous êtes capable de la continuer, la suite? Je vous la pose, la question. J'ai hâte de voir. On va aller voir dans les commentaires. Tiens. On se fait une petite intera un petit interaction ce soir. Alors, je vous donne la séquence 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Selon vous, qu'est-ce qui vient après? Ça, c'est la suite Fibonacci. Et ça, on la voit. Pierre Cloutier, 13. Euh, Mélanie Francard, non. Claudine, 12. Euh, sur euh, les intuitifs inspirés, 13. Qu'est-ce qui vient après le 8? Marie-Claude, 9. Louise, 11. Edna, 12. Kimberly, 13. André, 13. Sandra, 13. On a 11 pour Marilyn Côté. On a Gigi qui dit 11. Robert, 11. Là, ça déboule. Euh, 13, 13, 13. J'ai beaucoup de 11, de 12, de 13. La réponse? On y va avec la réponse. Marie-Levasseur, 12. Mireille, 12. Carmen, 11. Alors, la réponse est bien entendu, c'est 13. Qu'est-ce que la suite de Fibonacci? Bien, c'est toujours, je ne pas, je l'ai écrit, suite de nombres entiers dont chacun représente la somme des deux précédents. Alors, 0, 1. 1 plus 0, 1. Donc, la suite 0, 1, 1. 1 plus 1, 2. La suite 2. 1, 2, 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus, 8, euh, 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. Donc, c'est toujours le chiffre d'avant, les deux derniers chiffres qu'on additionne ensemble. C'est la suite de Fibonacci. Et pourquoi on parle de mathématiques, on parle de Fibonacci? C'est que dans la nature, c'est toujours ça qu'on va retrouver. Hein, vous allez voir, faites euh, taper sur Internet Fibonacci la suite. Vous allez voir dans les végétaux, dans la nature, euh, il y a toujours ce symbole-là qui est représenté qui se relie à la fleur de vie. On va même voir la fleur de vie dans la musique. Ah oui, ça, j'ai appris ça dans la musique. Je connaissais la, la suite Fibonacci, je savais qu'on retrouvait cette forme-là dans la nature, mais dans la musique, j'ai été surprise. Puis là, je n'ai pas tout découvert encore. Donc, dans la musique, lorsqu'on va parler de la fleur de vie, c'est que l'intervalle entre les cercles est le même que celui entre les tons musicaux. Très intéressant. Alors, les bienfaits d'utiliser la fleur de vie. Là, vous m'écoutez, puis vous me dites, « Ouais, bien, c'est intéressant, marie là, mais... » Ça donne quoi, ça, la fleur de vie? Ça donne-tu quelque chose dans notre vie? Ça donne-tu quelque chose? Bien, la réponse, c'est oui. Et la réponse, bien, les bienfaits d'utiliser la fleur de vie, c'est que la fleur de vie émet une vibration et euh, une vibration unique qui a pour effet d'harmoniser, de redynamiser, de régénérer, de rééquilibrer et de protéger ce qui l'entoure. Donc, la fleur de vie, c'est puissant. Moi, quand j'ai fini là, de faire toutes mes recherches, j'ai fait comme Oh my God, c'est vraiment puissant la fleur de vie. Tu sais, J'avais déjà une idée, j'ai déjà fait des expériences avec la fleur de vie, mais euh, à la suite de mes lectures, j'ai fait comme Ouh, là 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 Alors oui, les bienfaits d'utiliser la fleur de vie, ça a plusieurs bienfaits. Maintenant, maintenant, je vous partage cette façon d'utiliser cette fleur de vie. Alors, je vous l'ai montré. La fleur de vie, sachez qu'on peut la retrouver sur toutes sortes de choses. On peut retrouver la fleur de vie euh, sur des dessins. On peut même la faire à la main. Vous savez, là, je remets mon image ici. Vous pouvez la dessiner à la main. Vous pouvez faire exactement ce, ce motif-là à la main. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs fleurs de vie que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet et imprimer, puis par la suite vous en servir. On va retrouver des fleurs de vie sur différents matériaux, sur le bois, sur le métal. Euh, travailler. Il y a des fleurs de vie qu'ils sont trouées. Ils sont faites en métal, mais il n'y a pas de fond alors qu'il y a d'autres mais oui c'est du métal sur du bois ou le bois. Et pourquoi on va utiliser les métaux pour on va utiliser le bois avec la fleur de vie C'est que ce sont des du matériel qui est encore vivant, le bois, le métal, c'est de la matière qui est vivante. Alors ça donne encore plus de puissance, plus euh, ça élève beaucoup plus les vibrations encore une fois euh, de la fleur de vie. Alors parmi les sept façons d'utiliser la fleur de vie, la première c'est de porter la fleur de vie sur soi. Donc, ça veut dire en petit bijou, ok, en motif de fleur de vie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont répondu dans la question du lundi, dont Elena, Elena Rivera, qui dit qu'elle l'a en bijou puis qu'elle le porte sur elle. Alors, qu'est-ce que ça fait de porter la vie, euh, la fleur de vie sur soi Mais la fleur de vie dynamise l'eau. Et comme elle dynamise l'eau, notre corps est composé à 70 d'eau, ce qui fait que lorsqu'on porte un bijou fait en fleur de vie sur nous, eh bien, ça va dynamiser l'eau qui est à l'intérieur de nous. Elle va harmoniser nos énergies elle va purifier les mauvaises énergies qui est autour de nous puis elle va aider à retrouver notre vitalité. Alors portez un bijou avec une fleur de vie que ce soit sur un bracelet, que ce soit dans votre cou, que ce soit sur une chaîne à votre pied ou tout simplement un petit bijou fait en fleur de vie que vous portez dans vos poches, que vous mettez dans votre soutien-gorge, etc. Bien, ça, ça peut vous aider parce que ça va chasser les énergies négatives, ça va protéger. Donc, ça sert un peu de talisman ou d'amulette. Le deuxième, la deuxième façon, bien, on l'a vu un petit peu dans la première, c'est de placer le symbole, donc la fleur de vie, sous notre verre d'eau, sous la boisson qu'on est en train de boire parce que ça dynamise, la fleur de vie va dynamiser le liquide et va purifier le liquide. Alors, si vous avez des sous -verts avec une fleur de vie dessus, utilisez ça. Utilisez ça. Ou bon, Noël s'en vient, vous avez des cadeaux de Noël à demander, vous ne savez pas trop quoi demander. Demandez des sous -verts avec une fleur de vie dessus et utilisez-les. Mettez toujours votre verre d'eau sur la fleur de vie. Ça va dynamiser votre eau, ça va purifier aussi votre eau. La troisième façon d'utiliser la fleur de vie, c'est de placer, par exemple, des aliments sur une fleur de vie. Encore une fois, soit sur un papier que vous allez avoir dessiné la fleur de vie, ou soit sur la planche en bois qui a de gravé dessus la fleur de vie. Alors, on peut placer nos fruits, nos légumes. Ça va favoriser la conservation des aliments. Euh, vous pouvez, par exemple, placer des fleurs de vie, ce que je lisais sur Internet dans vos euh, garde-manger. Alors, des petites fleurs de vie, vous placez ça dans votre garde-manger. À chaque étage, vous placez une fleur de vie. Ça aide à conserver les aliments. Une autre chose aussi, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je ne sais pas si c'est écrit en quelque part sur Internet, mais j'ai eu le flash, j'ai eu l'intuition, j'ai eu la guidance. Euh, nos napperons, hein, nos napperons pour manger, bien, on pourrait se faire des beaux napperons plastifiés avec le dessin d'une fleur de vie dessus. Alors, quand je mets mon assiette pour manger... Bien, automatiquement, mais ma nourriture, elle peut être dynamisée, ma nourriture, elle peut être purifiée. Si en plus euh, vous êtes du genre de personne à bénir votre nourriture avant de manger, à remercier. Quand je dis bénir, on s'en va pas dans les religions, mais on s'en va dans le la gratitude d'avoir un repas, la gratitude pour celui qui a fait le repas, la gratitude pour la terre de fournir hein, les aliments. Alors, si vous êtes du genre à justement remercier au moment de votre repas, ben d'avoir un apron en plus avec une belle fleur de vie dessus, eh bien, ça peut favoriser encore plus euh, le plaisir de prendre cette nourriture-là. Ensuite, la quatrième façon d'utiliser euh, la fleur de vie, c'est dans une pièce. Tout simplement pour harmoniser et équilibrer les énergies de la pièce. Alors, on peut avoir une fleur de vie sur une toile qu'on met sur le mur. On peut dessiner par terre une fleur de vie. On peut disposer des sous hein? encore une fois, des sous sur nos tannes. On peut euh, avoir des nappes avec des fleurs de vie. Euh, le, la cinquième façon d'utiliser euh, la fleur de vie, c'est celle qu'on voit le plus souvent, puis qui a d'ailleurs été répondue le plus souvent dans la question du lundi, c'est recharger vos pierres, vos minéraux et vos bijoux. Oh oui, je dois dire vos bijoux parce que les métaux, hein, ça se recharge en énergie, les bijoux, ça se recharge. Alors, euh, on peut prendre une fleur de vie et disposer... Nos pierres sur le centre de chacune des euh, des cercles qu'il y a sur la fleur de vie. Euh, on justement ici, j'avais écrit suggérer une fleur de vie sur bois parce qu'encore une fois, ça va énergiser, dynamiser vos pierres. Euh, vous pouvez disposer aussi des objets, quelque chose que vous avez besoin de dynamiser, de purifier. Souvent, on parle d'utiliser du sel de mer, hein? mais on peut aussi utiliser les fleurs de vie. Ça va recharger l'énergie, ça va élever le taux vibratoire de chacune de ces pierres, de chacune de ces minéraux. D'ailleurs, lorsque dans le club de l'éveil, à tous les mois, je vais consacrer, je vais nettoyer les pierres, je vais les consacrer parce que dans le club de l'éveil, les gens reçoivent une pierre différente à tous les mois. Alors, pour recharger ces pierres-là, pour les consacrer, ben je me suis acheté une grande nappe avec un beau, euh, avec une belle fleur de vie dessus. Je mets ça sur ma table ronde et je mets toutes mes pierres à l'intérieur du cercle. Puis je consacre mes pierres comme ça à la pleine lune à tous les mois. Alors ça aussi vous pouvez faire ça. Mettre votre fleur de vie sur le bord de la fenêtre quand vient le temps de la pleine lune pour réénergiser puis amplifier les énergies de vos pierres. La sixième façon d'utiliser euh, la fleur de vie, bien, ça peut être un support pour la méditation. Encore une fois, vous dessinez, vous imprimez, vous avez votre petite fleur de vie en métal, sur bois, peu importe, et vous pouvez l'utiliser pour méditer. Par exemple, ça peut être un, un tissu imprimé euh, sur lequel vous vous assoyez. Vous, euh, par exemple, je parlais de ma nappe tantôt pour consacrer mes pierres. Je pourrais étendre ma nappe par terre et m'asseoir sur la fleur de vie. Je pourrais la dessiner par terre. Vous savez, il y en a qui dessinent des, des pentagrammes. Alors, bien, vous pourriez tout simplement euh, vous, vous mettre debout, en dessiner un par terre, vous mettre debout sur la fleur de vie et faire votre méditation ainsi. Euh, Placer devant sur le mur devant vous. Donc, vous placez la fleur de vie sur le mur devant vous, puis vous vous asseyez devant et vous la contemplez, vous méditez, vous pouvez fermer les yeux, mais enfin bref, l'énergie de la fleur de vie, bien, elle va venir élever votre taux vibratoire ou bien vous le portez dans vos mains, vous le tenez dans vos mains. La septième façon d'utiliser la fleur de vie, c'est pour aider la guérison et aider les prières. Oui. Fleur de vie, on a dit qu'elle était régénératrice, elle était euh, capable d'élever le taux vibratoire, donc on a besoin de tout ça lorsqu'on est en mode guérison. Alors, on peut utiliser euh, la fleur de vie. Ce que vous pouvez faire lorsque vous utilisez la fleur de vie et la guérison, encore une fois, soit durant votre méditation, mais sinon, vous allez prendre, par exemple, la fleur de vie et vous allez prendre une photo de vous. Parce que vous savez, quand on parle de guérison, on peut, c'est, on se guérit nous-mêmes. On peut pas guérir les autres. On se guérit nous-mêmes. Alors, quand on va parler de guérison, vous prenez votre photo à vous que vous allez placer sur la fleur de vie. Et quand vous allez faire ce petit rituel-là, bien sûr, vous allez demander à l'univers, à la fleur de vie, aux énergies, aux guides, à tout ce en quoi vous croyez de vous aider à atteindre la guérison. Vous ne pouvez pas vous mettre à côté de la fleur de vie. Vous avez mis votre photo là, vous avez dit, OK, je veux guérir, puis vous vous mettez les deux bras croisés à côté de la fleur de vie, puis le travail se fait tout seul. Ce n'est pas de la magie, là. OK? Ça veut dire que c'est un pas de plus dans vos exercices pour guérir, pour pratiquer votre guérison. Et là, je le sais, vous allez dire, oui, mais est-ce que je peux faire ça pour mon fils qui est malade, pour ma bru qui est malade, pour mon gendre, pour mon petit-fils? On peut pas faire ça pour eux, mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut faire des prières puis envoyer des ondes positives, ok Alors, ce qu'on fait, la même chose, on prend notre fleur de vie et on va mettre la photo de celui ou celle à qui on veut envoyer des ondes positives, à qui on veut envoyer des prières, et on fait tout simplement la même chose. On va prendre la photo de la personne, on la met sur la fleur de vie et on fait nos prières, on envoie nos intentions. On parle à la personne. Et la photo, on peut la laisser sur la fleur de vie pendant tout le temps qu'on veut. Là. Elle peut être là pendant deux heures, elle peut être là pendant deux jours, elle peut être là pendant deux semaines, elle peut être là pendant longtemps aussi. Okay? Alors, ça, c'est sept façons d'utiliser la fleur de vie. Et je présume qu'il peut y avoir d'autres façons de travailler avec la fleur de vie. Donc, je suis, je fais un appel à tous. Écrivez-moi dans les commentaires. Hein, Comment vous utilisez, vous, la fleur de vie? Pour ceux et celles qui utilisent la fleur de vie, comment vous l'utilisez? Hein? Kate, tu me dis j'ai une petite fleur de vie, qu'est-ce que tu fais avec ta petite fleur de vie? Euh, Ginette qui dit Très intéressant, je ne connaissais pas la fleur de vie. Bien, super, tu vois. Euh, Ginette, il y a quelqu'un qui disait dans la réponse, dans les réponses les commentaires de la question du lundi, On va se coucher plus intelligent ce soir. Ben oui, bien moi, la première, je vais me coucher plus intelligente ce soir. Euh, Liane dit « Ah, oh, j'ai un tatouage. Bonne idée de tatouage. » Ça, Liane, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, « Nicole Gontier, le nom de mon salon de massothérapie, j'ai mis euh, le nom de fleur de vie dedans. » Bravo, c'est bon ça, Nicole. C'est positif, tout à fait. Euh, où achète-t-on cette fleur de vie? On peut l'acheter tout partout, ma belle Micheline. Euh, tu peux faire des recherches sur Internet. Il y en a dans, beaucoup, beaucoup dans les boutiques ésotériques, c'est sûr et certain. Mais tu peux en retrouver, euh, tu peux en retrouver vraiment partout. Sur Internet. Il y en a dans les. Euh, il y en a dans les même dans les commerces à grande surface, il y en a mais sinon, tu peux tout simplement en imprimer à partir d'internet. Euh, il, il y a une question hein, comment on peut recharger la fleur de vie Bon, ben il y a des gens qui disent que on n'a pas besoin de la recharger qu'elle se recharge toute seule de par le fait que c'est la fleur de vie donc c'est un symbole qui est sacré c'est en elle-même elle élève des vibrations en elle-même elle régénère donc je serais portée moi aussi à dire qu'on n'a pas besoin de la recharger mais d'un autre côté moi je dis toujours on recharge tout moi je recharge tout ok alors pleine lune je mets ça en, on met nos fleurs de vie à la pleine lune puis on dit qu'on ça recharge ok alors on peut recharger de cette façon là une autre façon aussi que je connais euh, de recharger. Bon, là, au Québec, c'est peut-être pas le temps, mais euh, d'enterrer. Hein? On pourrait, on peut enterrer les fleurs de vie dans la terre. On laisse ça là pendant une couple de jours, puis après ça, on va les rechercher. Ben oui, la terre, ça, ça purifie, la terre, ça réénergise aussi. Okay? Euh, c'est bon? Oui, ben oui, Roxy, certains. Bonne question. Est-ce que ça peut purifier nos oracles et nos jeux de tarot? Ben certains. Hein, tu vois, tu me rajoutes une chose, là, ça pourrait être une autre utilisation. Tous nos outils spirituels, que ce soit notre pendule, que ce soit nos cartes de tarot, nos oracles et tout ça, on peut placer ça sur la fleur de vie. Ça va venir purifier et réénergiser nos euh, outils spirituels. Bonne idée, ma belle Roxy. Merci de ton partage. Oui. Euh, est-ce qu'on peut l'imprimer à partir d'internet ou autre Oui, Ginette, tu peux aller l'imprimer euh, sur euh, à partir d'internet. Georgette, est-ce que je peux mettre un billet de loterie dessus La réponse est oui. Tu peux tout mettre ce que tu veux dessus. Et dis-toi que euh, en mettant ton billet de loterie dessus, si tu gagnes, c'est parce que dans ta vie, tu as besoin de gagner ce montant d'argent là. Okay? Alors, c'est juste plus favorable. C'est comme, tu sais, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Bien, le premier pas à faire, c'est d'acheter un billet. Si on n'achète pas de billet, on ne peut pas gagner à la loterie, à moins que quelqu'un nous donne un billet de loterie ou à moins que quelqu'un partage les gains qu'il y a eu à la loterie. Mais si je veux gagner à la loterie, mon premier pas, c'est d'acheter un billet de loterie. Ensuite, certainement, tu peux le faire, euh, Georgette. Et je te souhaite euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te souhaite en fait tout ce que tu as besoin. <laughs> euh, ok, j'en ai une sous ma table à massage. Ça c'est Nicole Gontier. Oui, et t'es pas toute seule, Nicole. Il y en a beaucoup qui vont mettre ça sous la table de des massothérapeutes. Euh, ensuite, euh, l'arbre de vie et la fleur de vie, est-ce la même utilité? Georgette, j'ai pas été faire les recherches pour l'arbre de vie à 100%. Ok? Mais ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont beaucoup d'affinités, ils ont beaucoup de points en commun. C'est comme la graine de vie. On parle de l'arbre de vie, la fleur de vie, la graine de vie. Ils ont beaucoup de points en commun, mais en même temps, chaque chacun de de ce que je viens de nommer ont leurs différences. Ok? Euh, ensuite. Euh, dessous les cristaux, tout à fait. Ensuite, fond d'écran de cellulaire ou ordi. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre ça dans nos fonds d'écran de cellulaire, d'ordinateur, etc., de tablette? Oui, tout à fait. Euh, bijoux, parfait. Euh, Manon, merci. Je ne connaissais pas la fleur de vie. Ça me fait plaisir. Euh, Simon Carl dit, je trouve que ça ressemble à la fréquence 432 Hz, mais en image. Je serais d'accord avec toi, Simon Carl. Donc, ça aussi, vous pouvez faire une recherche euh, Internet là-dessus. Euh, sur Amazon, ben oui, sur Amazon, Diane dit, euh, je viens de regarder sur Amazon. Il y en a partout, je vous le dis. Tapez fleur de vie sur Internet, vous allez voir, il y en vend partout. Autant en Europe, Qu'au Québec. OK? Partout, partout. Euh, Joanne qui dit je les prenais pour recharger mes pierres. Oui, tout à fait. C'est comme je vous dis, c'est ce qui était le plus, c'est ce qui est le plus utilisé. La fleur de vie, le plus utilisé, c'est pour recharger les pierres. Mais quand on se met à fouiller puis qu'on découvre tout ce qu'elle peut nous apporter hein, comme bienfait, qu'elle peut réénergiser des choses, qu'elle peut dynamiser, Hein, ne serait-ce que l'eau qu'on boit à tous les jours, ben, je vous dirais, là, on dessine une fleur de vie, puis on met ça en dessous de notre verre, puis, et voilà, ça vient de dynamiser l'eau qu'on boit à tous les jours. Ginette tensée sur mon oreiller, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être plus sous que sur, parce que sur l'oreiller, ou bien ben, tu, tu l'imprimes, tu le fais imprimer sur ta tête d'oreiller, pourquoi pas? Hein? Euh, Céline, je l'ai mis dans un cadre sur le mur. Parfait. Un tapis d'entrée, Nancy Hull. Oui, bonne idée. Je m'en sers pour énergiser mon pendule et mes cartes. Ça, c'est Ginette. Très bonne idée. Euh, Valérie, sur un pilulier, sur le bol d'eau pour mes chats, sur mon pichet d'eau. Super, Valérie. Super. Euh, pichet d'eau aussi. La mienne, je la garde dans ma bourse et une autre dans mon auto. Ben merveilleux Kate, pourquoi pas dans le taux justement, hein? Oui, tout à fait. Euh, Chantal, elle, elle dit, je me suis acheté un coussin pour méditer. C'est une fleur de vie qui est dessus et je ne savais pas c'était quoi. Ben, tu vois ma belle Chantal, tu viens ce soir d'avoir un bel outil pour toi. Alors, euh, quand tu vas t'asseoir dessus pour méditer. Peut-être que tu vas encore plus comprendre pourquoi que ça bouge comme ça à l'intérieur de toi ou pourquoi qu'après ta méditation, euh, tu es hyper dynamisé. Et ça, c'est pas juste la méditation, mais ça sera parce que tu seras assis sur une fleur de vie. Euh, ben oui, tiens, tu vois, Michel, elle écrit une tête d'oreiller euh, en fleur de vie pour faire des beaux rêves. D'ailleurs, je pense que si vous faites une recherche sur Amazon, c'est vrai, j'ai vu ça l'autre jour, il y avait un, un ensemble de douillettes. Hein, la douillette, les draps, les oreillers qui avaient justement ce motif-là motif dessus. Alors, ça existe déjà. On peut déjà se le procurer, mais on peut aussi l'imprimer à partir de, de la maison. On le dessine, tout simplement. Hmm. Euh, ici, j'ai euh, Vicky qui dit euh, As-tu une boutique ésotérique, ésotérique à recommander pour acheter nos outils spirituels qu'on peut acheter par Internet, car je suis de Québec Ma belle Vicky, je vais te dire, tiens, je vais te partager, je vais te partager, je vais te partager, euh, attendez un petit peu, je cherche ici, marilainescoulomb.com, barre oblique boutique. Sur la boutique de Marilène, vous allez voir cette semaine des nouveautés. Là, je vous le dis tout de suite, non, il n'y aura pas de fleurs de vie. On n'est pas rendu là, mais on a fait, euh, Véro, elle a travaillé énormément fort pour revamper, pour euh, remettre la boutique de marie à jour avec euh, des outils à l'intérieur, que ce soit des pendules, des pierres, euh, des objets pour faire de la méditation. Et il y en aura davantage aussi à venir. Mais entre autres, euh, euh, Vicky, euh, dans la région de Québec, en fait, si tu es, euh, si tu achètes par Internet, Peut faire venir d'à peu près n'importe où. Mais dans la région de Québec, Québec, euh, Daniel pourrait peut-être te répondre parce que Daniel, il est, il est de Québec, mais ici, euh, euh, ben, en fait, il y en a tellement, il y en a tellement des boutiques euh, ésotériques. Si vous êtes dans la région de Lanaudière à Repatigny, il y a la boutique L'espoir de Jeanne Labelle, euh, il y a euh, le centre d'énergie aussi à Crambé, euh, hein? Donc ça c'est des boutiques, il y en a une autre aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu mais j'oublie le nom. Zut, j'aurais voulu me souvenir du nom, mais regardez sur internet à partir de internet, vous allez en trouver quelques-unes. Euh, je la mets sous mes outils spirituels, la fleur de vie, Chantal Lagacé, mon chèque d'abondance. Ben oui, Ginette, tu as tellement raison. Lorsque c'est le temps de faire le chèque d'abondance à la nouvelle lune, bien, mettez le, le, le chèque d'abondance sur votre fleur de vie. Et quand vient la, la, dit la pleine lune, la nouvelle lune, on fait notre chèque, vous mettez votre chèque sur la fleur de vie. Et à la pleine lune, vous mettez votre chèque et votre fleur de vie sur le bord de la fenêtre. La pleine lune vient amplifier ce qu'on a demandé sur notre, euh, notre chèque d'abondance. Daniel a répondu, plusieurs à Québec. Euh, Peut-être dans le Vieux-Québec, il y a des belles petites boutiques là, sur Saint-Jean puis tout ça. Peut-être que tu trouverais quelque chose, Vicky. Sinon, ben effectivement, commande-les par Internet. Chèque d'abondance, chèque d'abondance, bijoux, Pierre. Euh, euh, j'ai acheté des breloques divinatoires et j'ai reçu une belle fleur de vie plastifiée. Ben voilà, Thérèse. Super. Puis tu pourras mettre tes breloques et tout le reste dessus. Mon tableau de visualisation, j'en mets toujours une. Ça, c'est Liette qui nous dit ça. Bonne idée, Liette. Bonne idée, mettre une fleur de vie sur notre tableau de visualisation. Merci. Très intéressant ce soir, Marlène. Ben merci à toi, ma belle Marlène. C'est un sujet que effectivement, moi aussi, je trouve hyper intéressant. Euh, Carmen Batani nous dit l'arbre de vie. Je connais pas. Ah, ben tu vois, ça sera un sujet pour un autre mardi en direct, ça, l'arbre de vie. Hein? Chaque d'abondance. Euh, ensuite, euh, une nappe, Pierrette, qui tu nous dis. Euh, J'ai une nappe sur laquelle il y a une fleur de vie. Je ne savais pas ce que c'était avant aujourd'hui. Merci de nous faire connaître à, encore euh, quelque chose de nouveau. Mais ça me fait plaisir, Pierrette. Et euh, ça me fait penser, vous savez, quand on fait des euh, salons, des salons spirituels ou des salons d'artisans et tout ça, bien, on pourrait se mettre des belles nappes. Les hein, belles nappes avec des fleurs de vie sur nos tables, comme ça, bien, ça énergise le matériel euh, qu'on met dessus pour les clients. Hein, ça aussi, c'est une bonne idée. Euh, parfait. Très beau sujet. Je ne connaissais pas. Je vais faire plusieurs copies. Ça, c'est Huguette. Merci. Euh, merci de nous faire connaître euh, la fleur de vie. La mettre dans le frigo, ben oui, euh, Georgette, pourquoi pas mettre la fleur de vie dans le frigo? Tantôt, on disait qu'on pouvait la mettre dans les placards, dans les gardes manger pour euh, protéger la nourriture, en fait, la conserver le plus longtemps possible. Puis, croyez-moi pas sur parole, faites des tests, faites des tests. Moi, le, le, un des tests que j'aime beaucoup, là, c'est les bananes, parce qu'on le sait, hein, les bananes, ça mûrit quand même assez vite. Alors, faites un test. Prenez une fleur de vie, OK? Mettez une, une banane dessus, puis mettez une banane à côté, sur le même comptoir, à la même place, hein, pour pas qu'il y ait une différence de température ou tout ça. Mettez deux bananes, une près de l'autre, pas collées, mais une, vous la mettez sur le comptoir, puis l'autre banane, vous la mettez sur la fleur de vie. Puis regardez au bout de quelques jours. Euh, ben, c'est sûr que... Ben, en fait, je dis pas « c'est sûr », parce qu'on a déjà vu des bananes dans des pyramides, euh, être là pendant des semaines, puis pas avoir euh, pour, pourri, là, pas être devenu noir. Mm -hmm. Ça, c'est déjà vu. Fait que faites l'expérience. Moi, quand je vais revenir à la maison, parce que là, je ne suis pas à la maison, mais quand je vais revenir à la maison, je vais la faire, cette expérience-là, avec une banane. Je vais prendre une. J'en ai une, une plaque de bois avec euh, la fleur de vie dessus. Moi, je m'en sers pour mes cristaux, parce que dans ma tête à moi, marie c'était pour les cristaux. Mais là, mon Dieu, en faisant les recherches, moi je vais faire le test de la banane. Puis, si vous faites le test de la banane, euh, tenez-moi au courant, ok? Alors, euh, s'il y en a qui veulent le faire le test là, on fait le test de la banane. On met une banane, faut que les bananes viennent de la même le même plan là, ok? Prenez deux bananes qui viennent de la même, euh, la même grappe. On met une banane sur la fleur de vie, une banane à côté, puis on regarde, voir combien de temps la banane va durer plus longtemps. Fait que, croyez-moi pas sur parole, faites la l'expérience, ok? Euh, Manon alors qui demande, Marilyn, est-ce que tu vas avoir des pierres apaisantes? Oui, il va y avoir des pierres apaisantes dans la boutique. Dans pas tellement longtemps, vous allez voir ça. Euh, cool pour ta boutique, Marilyn, je vais revenir vous en parler, c'est sûr et certain. Je vous l'ai dit, surveillez cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Vous allez aimer ça. Euh, tout nouveau pour moi, la fleur de vie, ça c'est Gisèle Gay. Euh, ensuite, euh, oui, magasiner sur ma boutique, c'est bon. La feuille enchantée à Victoriaville, ça c'est Michel Sévigny qui dit ça, parfait. Il euh, y en a deux, trois qui disent, Jean-Guy, par exemple, dit la boutique euh, Derwyd de Charlebourg. Daniel aussi l'a nommé. je ne la connaissais pas cette boutique-là. Donc, euh, Vicky de Charlebourg. Euh, ensuite, il euh, y en a aux Galeries Charlebourg. Euh, à Randon, c'est le Dauphin bleu. Parfait. Donc, euh, regardez, hein, vous allez voir euh, notre adresse sur un motif fleur de vie. Oui, Michel, tout à fait. À Saint-Nicolas, euh, Blanchard Décor. C'est bon. Blanchard blanc, Déco, pardon. Est-ce que la fleur de vie, c'est toujours la même couleur? La plupart du temps, on voit la, la fleur de vie d'une couleur or. Okay. Mais est-ce qu'on peut l'avoir de d'autres couleurs? Ben oui, des fois, il y en a de toutes sortes de couleurs. Il y en a de, de multicolores. Les sept couleurs des chakras, on peut l'avoir aussi. Alors, euh, bien, puis vous, vous allez voir dans les commentaires, là, il y en a beaucoup qui partagent euh, des, euh, des boutiques ésotériques. Allez-y, allez-y, c'est correct. C'est rare que je permets qu'on puisse faire euh, euh, de la promotion pour d'autres. Allez-y, des gens en boutique physique. Par contre, pour les boutiques en ligne, pas de boutique en ligne à référer sur les commentaires, mais des boutiques physiques, oui. Boutique en ligne, j'ai ma propre boutique. Alors, vous allez venir sur ma boutique en ligne. Puis, si vous avez besoin des choses euh, à rajouter dans la boutique. Écrivez à info à commerciale, .com. Nous, on attend juste ça d'avoir vos propositions pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans la boutique en ligne parce que c'est vous qui achetez dans la boutique en ligne. Donc, on ne va pas se prémunir d'un paquet de choses que les gens ne voudront pas acheter. Alors, ça va dépendre de vous. Très important. Euh, Marilyn qui dit combien de temps on peut mettre la banane avant de la manger. Bien, tu peux la mettre le temps, le temps que tu veux, ma belle Marilyn. Puis, si, exemple, la banane sur la fleur de vie, ça fait deux semaines qu'elle est là et qu'elle est encore toute belle, bien, rien qui t'empêche de la manger, justement, puis elle va tellement être énergisée parce que la nourriture, elle va être énergisée, bien sûr. Alors, voilà, 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 voilà. J'ai encore beaucoup de commentaires. À Ange et dragon et quintessence à Saint-Sauveur boutique à Beauharnois, beaucoup de belles choses, euh, la magie du vieux sage à Drummondville, c'est bon. Est-ce que tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Bien, je vais remontrer celle que j'avais tout à l'heure. Regarde, Lendy, euh, Lendy, une fleur de vie, c'est ça ici, ok? Et euh, la fleur de vie, ben, en fait, tu peux l'avoir imprimée aussi. Quand tu l'as fait imprimer, tu peux l'avoir d'une autre couleur. Je vais te montrer une autre couleur. Tu vois, on peut l'avoir dans cette couleur-là aussi, qui est la couleur plus or celle qu'on voit la plus conventionnelle. Mais dans l'autre fleur de vie, auparavant que je vous ai montrée, c'est juste parce qu'on voyait celle au centre, puis on voyait les six autour. Parce qu'habituellement, on part avec, avec ça de base, puis après ça, bien, ça se multiplie. Alors, ben voilà pour notre beau sujet de ce soir. Mardi prochain. Je vous donne rendez-vous pour mardi prochain, le 6 décembre à 20h. Et la semaine prochaine, c'est un spécial, questions et réponses. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Donc, toutes vos questions générales sur la médiumnité, la communication avec l'au-delà, la spiritualité, l'éveil psychique, ben, moi, ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là. Mais je dis bien, questions générales. Demandez-moi pas votre futur, demandez-moi pas un message de personne décédée, c'est pas des consultations, c'est vraiment répondre à des questions Général, on va se faire un beau partage. Toutes les questions que vous avez toujours voulu poser une médium, puis que vous n'avez pas pu, je vais essayer de prendre un maximum de questions possibles. Puis à travers les questions que vous allez me proposer aussi, bien, je vais prendre des notes parce que ça risque d'être dans mes prochains sujets des mardis en direct. Puis ça aussi surveillez ça parce que bientôt les mardis en direct ils vont se transformer, ok Je vous ai dit mardi prochain que je vous habituais tranquillement au changement. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de janvier, ça ne sera plus des mardis en direct. Ça va rester le mardi. Ça va rester à 20h heure du Québec. Mais ça ne s'appellera plus les mardis en direct. Il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer avec tout ça. Euh, surprise de décembre, comme je vous ai dit, il y a des choses nouvelles qui commencent à partir du 1er décembre. Merci à toi, mon cher Daniel, d'avoir été présent sur les réseaux ce soir pour répondre aux gens le maximum qu'on peut faire, bien entendu. Merci, merci, merci à tout le monde d'avoir été présent et présente. Je donne rendez-vous maintenant à tous les gens qui font partie du Club de l'Éveil à venir me rejoindre pour votre 30 minutes VIP. Alors, pour tout le monde, je vous souhaite une belle fin de soirée ou une belle fin de journée si vous êtes en rediffusion. Et nous, on se voit mardi prochain. Bye bye tout le monde!